Ça fait du bien de travailler, ça c'est sûr que ça fait du bien de travailler. Maintenant, on ne sait pas du tout où on va et on verra bien. Les nouvelles restrictions vont être annoncées pour samedi. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. On ne sait pas du tout. On attend, on est dans l'expectative totale. Le déconfinement est un soulagement, bien sûr, mais il est aussi une inquiétude, puisqu'on sait bien que la troisième vague nous guette. On sait très bien que nous ne sommes pas à un niveau extrêmement bas, donc le départ de l'épidémie peut intervenir rapidement. Alors, ces mesures qui se conjuguent finalement au niveau cantonal et fédéral sont compliquées. Elles sont compliquées pour les autorités qui perdent parfois de la crédibilité. On comprend bien que pour la population, le fait que le canton annonce des ouvertures le 10 et que on nous dise que le 11, il y aura peut-être des mesures qui viennent restreindre ces ouvertures à partir du 12, cela crée évidemment une confusion. On n'ouvre pas, on nous met deux jours, on va ouvrir ou peut-être pas. On croit que ce n'est pas un bureau, qu'on met une clé sur la porte et on ouvre et on est prêt à travailler. Il y a toute une équipe derrière, il y a les fournisseurs aussi qui doivent avoir des produits. Est-ce qu'on va ouvrir ou on ne va pas? On va travailler ou pas? Et même en étant ouvert aujourd'hui, on est là pour les clients avec un grand plaisir de les recevoir, on a tout prêt. Et on ne sait pas si demain on va fermer.